Nicolas M. Relaxation.
train de remanier aussi un peu le studio. Vous avez vu qu'il y a des choses qui ont changé. Donc voilà, j'ai remanié en fait toute ma maison. Donc là, c'est pas fini, mais il y a des choses, il y a des nouvelles choses qui vont arriver, notamment des nouvelles choses lumineuses. Je ne vous dis rien, je vous laisse à la surprise. On va passer au prochain déclencheur. Vortex. Non, c'est pas les vortex. Prochain déclencheur, c'est cette brosse que j'ai aussi trouvée chez Action. Je trouve trop de déclencheurs chez Action. J'adore vraiment le tapis. Le visuel aussi est ouf. Je pouvais avoir un focus sur le visuel. Voilà. Directement sur le micro, c'est pas mal. Donc, on a trois différents déclencheurs en un déclencheur et je vais commencer par le tapping. J'ai remarqué que dans mes vidéos, je disais souvent OK. Genre un peu un tic de langage, mais ça va, apparemment, vous trouvez ça relaxant, donc tant mieux. C'est sympa aussi le tapping sans les faux ongles. Ça change. C'est un petit peu plus. Le son, il est moins aigu. Vous savez que sur la chaîne maintenant il y aura aussi des vidéos sans les faux ongles, mais aussi des vidéos avec les faux ongles parce que j'aime tellement les vidéos avec les faux ongles, ça exagère les bruits, c'est trop bien. Mais je tiens aussi à faire plaisir à ma communauté qui aime bien les vidéos sans les faux ongles, qui aime les choses un petit peu plus simples. J'ai les deux facettes, j'ai la facette qui est très extravertie et la facette qui est très simple. Et j'aime bien vous montrer mes deux facettes. D'ailleurs, vous pouvez les voir, mes deux facettes, sur ma chaîne Nicolas M Vlog, où je fais des vlogs semaine, des passer au visuel.
fan du visuel. Je suis très fan de la synchronisation entre le son et le visuel, comme ça donne vraiment l'impression qu'on reçoit l'attention. C'est trop trop stylé. Troisième partie de déclencheur, c'est le brushing directement sur la molette. Et ça, c'est vraiment cool aussi. Ce relax, mon petit baltaneur, Joko. On oublie ces petits soucis-là. On se détend les doigts de pied. On se détend les mains. On détend ses yeux. De ce côté-là aussi, un petit peu quand même. Est-ce que vous êtes comme moi, genre, quand on vous fait des gratouilles sur le bras gauche, vous tendez l'autre bras en disant, bah lui il est jaloux. Bah c'est un peu ça en fait. Ce côté-là, il est jaloux.
je pense qu'on a bien exploité ce déclencheur. On va pouvoir passer à la suite, et j'espère bien entendu que tu es relaxé, que tu passes un excellent moment avec moi. J'aime passer ce moment avec toi, vraiment, c'est trop trop cool, c'est trop trop bien. Et on passe à la suite. Tu sais peut-être à quel point je suis fan du verre en ASMR, et là j'ai trouvé ce bocal avec du relief dessus, et j'ai trouvé ça trop stylé. J'ai rajouté de l'eau dedans pour varier un petit peu le son du tapis et même le scratching sur le capuchon est so nice. Donc let's go. On a encore un déclencheur multifonction. Ça fuit un peu, c'est pas grave, au pire je retirerai l'eau dedans. Ah, le tapping avec le bout des doigts est super sur le couvercle. Sans les ongles. C'est ça aussi qui est bien, de faire des vidéos parfois sans les faux ongles, c'est que je peux me servir du bout de mes doigts. C'est hyper bizarre à dire. Mais sur certains déclencheurs, c'est hyper satisfaisant. J'ai oublié de vous dire, mais c'est le dernier déclencheur. Donc je vais vous laisser. Je vais te laisser. Oh, insupportable. Je vais te laisser t'endormir, ok? Avec le son du scratching tapping sur le verre. J'espère que t'as apprécié cette vidéo. Bonne nuit, kiffe bien la fin de la vidéo.